Salut à toutes et à tous, c'est Siwed et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur du Lorcana TCG avec, messieurs dames, la deuxième display de 24 boosters, l'ascension des Floodborn, qui écoutez, est plutôt stylée. Alors, c'est la deuxième vague, moi j'ai pris à partir de la réimpression parce que beaucoup de sorties, on va pas se mentir, cette fin d'année, c'était quand même assez compliqué, on va pas se mentir, de pouvoir tout s'ouvrir. Écoutez, perdons pas plus de temps, hop, tac, on a nos boosters ici présents, alors on va tous les sortir, tac, voilà, ça c'est bon. Et ça c'est bon également, hop. Donc combien de design de booster on a, on va le savoir très très vite. Hop, tac, voilà, je vais glisser la display ici, comme ça elle ne nous embêtera pas. Alors, au niveau des boosters en eux-mêmes, tac, voilà, ça c'est bon. Donc on a trois styles de booster, ok, on a la bête. Alors elle, j'ai plus son nom, c'est le Disney avec les styles asiatiques avec les dragons, si je ne me trompe pas, j'ai plus du tout son nom. C'est pas Mulan, au début je pensais que c'était Mulan, mais non. Et nous avons ici la reine de cœur, si je me trompe pas. Oui, c'est ça, c'est la reine de cœur de Alice au Pays des Merveilles. Sur ce, messieurs, dames, perdons pas plus de temps. Hop. Ça fait longtemps que j'ai pas ouvert de booster Lorcana, je vais pas vous mentir. ça fait même un peu trop longtemps, je pense. J'ai peut-être un peu oublié les sigles, etc., les symboles des extensions. Enfin, des extensions de... comment ça s'appelle? Des raretés, on verra bien, messieurs, dames, on est là pour redécouvrir ici. Donc on a une mini ici qui sera la puzzle de ce booster. Ok. En commune, nous avons... je suis coincé. Le monde qui est le mien... Ratigan ici, génie du crime, qui sera en commune. Basile de Baker Street ici, qui sera également en commune. Blanche-Neige, perdue dans la forêt, en commune. Benja ici, gardien de la pierre de dragon. Donc elle, lui, c'est le Disney que je ne connais pas malheureusement. Il sera pareil en commune. Ornunco ici, nous avons sonné la cloche. Arbalète du croc du dragon ici. Nana, chienne de la famille Darling ici. D'ailleurs, nous avons du coup, ça c'est une rare si je ne me trompe plus. Hein, attention là, ça. Bibidibo, bibidibou. Tac. Ici, nous avons également l'atelier de Maurice qui sera en rare. Et derrière, nous avons une. Comme une foil, il s'agira de Mulan, esprit libre. Et bah écoutez, plutôt stylé. Le Edge Foil, en vrai, ça fait très bizarre du coup. Enfin. Je sais pas si j'aime ou j'aime pas en fait, c'est ça qui est très bizarre avec ce foil là. Et écoutez, messieurs, dames, on continue tranquillou bilou. J'espère que vous allez bien, que les fêtes, tout se passe bien pour vous. Hop, la famille, les enfants, Belzébuth. Que tout le monde se régale. Hop, écoutez, on est parti, messieurs, dames, ici avec du coup une deuxième partie du puzzle. Ici nous avons Winnie l'ourson, magicien mélifique. Enfin, mielifique. Non, mélifique, ok. Ok, ok. Félicia, toujours affamée ici. La reine de cœur, rapidement en colère. James, parent modèle. Eudora, ici, couturière accomplie. Hercule, héros à l'entraînement. Pinocchio, marionnette bavarde, qui sera la première Nico de ce booster. Mergotel, mauvaise et desséchée, qui sera notre deuxième. Armure de souris, ici. Ok, qui sera du coup la troisième Nico. Derrière, nous avons rare Jean-Christophe. Eh ben écoutez, pourquoi pas. Derrière, nous avons donc ça, c'est une très rare. C'est ça, il me semble, non. C'est Cendrillon, cœur vaillant, ici. Écoutez, il est sacrément stylé comme ça, hop. Et derrière, en rare foil, eh ben écoutez, moi je ne dis clairement pas non. C'est la tactique de meute. Elle est quand même sacrément stylée. Ça vient de Cusco, du coup. Ok, ok, hop. Tac, on passe, messieurs dames, au prochain booster. Ça, voilà, ça c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on aura de beau dans ce booster-ci? On va le savoir tout de suite, messieurs dames. Hop, voilà. C'est parti avec ici, tac, la troisième partie de Mini Mouse. Hop. Nous avons le maillet de croquet, ici. Fidget, homme de main de Ratigan. Flynn Rider, ici, vagabond sûr de lui. Jasmine, héritière de Agrabah. Joyeux, ici, de nature joviale. La bête, reclus inhospitalier. Rebondir ici qui sera notre première Unco. Hey Hey, volatile tenace qui sera notre deuxième. Simplet, toujours enjoué qui sera notre troisième. En rare, nous avons Merlin, métamorphe ici, ok. Derrière, nous avons Mini plongeuse émerveillée. Bah écoutez, pourquoi pas, hop, la petite Mini. Et derrière, nous avons en Unco foil, la plus diabolique conjuration ici, qui sera du coup la foil de ce booster. Ok, tac. Comme quoi, j'avais oublié que c'était foil garantie à la fin du booster, comme quoi hein, c'est... Ça fait vraiment longtemps que moi j'ai pas ouvert de booster Lorcana, hop. Comme vous savez, généralement j'achète très... Enfin, une fois que j'ai acheté une display, généralement je n'achète plus. Ici, nous avons du coup la dernière partie du puzzle de Mini. Jiminy Cricket, conscience de Pinocchio. Mulan, tout juste sorti de l'entraînement. Donald, somnambule. Basile, enquêteur perspicace. Ne bougez pas. Perdu dans l'hiver. Projectile de fortune, ici qui sera notre première Unco. Ici, nous avons Raya, combattante de Kumandra, ici. Donc là, c'était Raya, ok, celle-ci. Qui sera la deuxième Unco. Elib, le buff ici, Big Daddy, qui sera du coup notre troisième Unco. Derrière, nous avons en très légendaire Basile, détective privé. Sacrément stylé le bout, hein. Ok, ok. Derrière, nous avons une autre, il s'agira de Raya, chef des terres de cœur. Et bah écoutez, moi je dis clairement pas non. Et derrière, nous avons une commune foil, il s'agira de Cendrillon, chevalier à l'entraînement. Et bah écoutez, hop, ça c'est fait. On passe, messieurs dames, tac, au booster suivant. Voilà, j'espère que ça vous plaît, hein, de découvrir un petit peu en retard si vous êtes avec moi, mais de découvrir quand même la nouvelle extension de Disney, enfin de Lorcana. Ici, nous avons du coup notre mini. Elsa sans gants ici. Tigrou,
unique en son genre, hypnotisé. Coco Lapin, au thé haute malgré lui, porciné si petit animal, dernier canon. Donald, parfait gentleman, ici qui sera notre première unco. Boîte de sardines, notre deuxième. Réponse, artiste doué, notre troisième. Derrière, nous avons en rare la reine de cœur. Et bah écoutez, pourquoi pas, elle est sacrément stylée. Derrière, nous avons en légendaire, je crois que c'est ça le nom. Puisque oui, c'est les enchantés, ouais, c'est ça, c'est rare, très rare, et légendaire, et enchanté, ouais, c'est bien ça la dernière. La bête implacable, du coup, ici, qui est sacrément stylée. Chaque fois que des dommages sont infligés à un personnage adverse, vous pouvez redresser ce personnage bleu. C'est fort, ok, pourquoi pas. Et derrière, nous avons du coup Namahari Brume Matinale, qui sera du coup également une très légendaire, mais du coup en foil. Et bah écoutez, sacrément stylé. Donc là, le rempart, ce personnage peut entrer en jeu épuisé lorsqu'il vous défie. Un personnage adverse doit, si possible, choisir un personnage avec rempart. L'âme, ce personnage peut défier des personnages redressés. Ah ouais, donc elle est bien. C'est une 2-4 par contre, ça c'est un peu triste, mais en vrai, plutôt stylax, plutôt fort, la madame, je trouve. Hop, on peut aller chercher des trucs qui sont redressés, c'est quand même fort. On passe, messieurs dames, au booster suivant. Tac, voilà, ça c'est bon. Hop, qu'est-ce qu'on a de beau dans ce booster-ci, on va le savoir tout de suite, messieurs dames. Hop, voilà, ça c'est bon. Et on est parti avec du coup la partie de puzzle. Merlin en écureuil. Boone, entrepreneur précoce. Arthur devenu fine lame. Maître Hibou, conférencier à la logique implacable, ok. Hatchoum, très allergique. Fonce. Ici nous avons Madame Mime en serpent, qui sera notre première unco. La plus diabolique conjuration, qui sera également notre deuxième unco. Jafar, serpent cuirassé, il est super stylé, qui sera notre troisième unco. En rare, nous avons Flynn Rider, son plus grand fan. Ici nous avons en très rare Ombre de Peter Pan, décousu, ok. D'accord, ils ont fait une ref au fait que Peter Pan il perd toujours son ombre, c'est cool. Et derrière, nous avons en unco foil, le 2-0 en héros. 2-0 en héros, illico. C'était trop bien cette zik. Hercule, c'est pas un Disney qui est très apprécié, ultimement. Mais moi je l'aimais bien en vrai. Hop, j'y voyais pas de message toxique. J'y voyais pas Twitter quoi dedans. Ensuite nous avons du coup messieurs dans ce booster une partie de puzzle. La légende de l'épée dans l'enclume. Raya ici obstinée. Rey, luciole décontractée. Un des persos préférés, on va pas se mentir, de la princesse et la grenouille. Glace à l'eau ici. Peignon les roses en rouge. Prince Navin ici, prince sans le sou. Il est sans le sou. Tiana, véritable princesse ici, qui sera du coup l'unco de ce booster. C'est très drôle de voir les deux qui s'enchaînent. Merlin en chèvre ici, notre deuxième unco. Prof, chef des sept nains, qui sera notre troisième unco. Grand coquin porte bien son nom, qui sera du coup la rare de ce booster. En très rare, mais en légendaire, pardon. La bête héros tragique ici, donc en alter 3. Donc on peut payer 3 pour le jouer sur n'importe quelle bête, ça c'est bien. C'est peut-être mieux comme ça, ce personnage n'a aucun jeton dommage sur lui au début de votre tour, piochez une carte, sinon il gagne plus 4 de force pour le reste de ce tour. Brrr. D'accord, très bien, c'est très très fort. Et derrière nous avons, hop, Virana ici, chef de Croc du Dragon, qui sera du coup la commune foil de ce booster, ok. Et messieurs dames, on termine notre première pile de boosters, donc nos 8 premiers, c'est ça. Ouais, nos 8 premiers boosters, tac. Bon, j'y vais à la cool, hein, tranquillou bilou, hein. En soi, hop. J'aime bien ne pas trop me presser d'habitude, mais écoutez, enfin, non, c'est faux, j'aime bien presser d'habitude, mais on verra bien. Ici, nous avons du coup la partie de puzzle. Docteur Facilier, opportuniste bien renseigné. Mini, ici. Panique, diablotin des enfers, rien à cacher. Grincheux, sale caractère. Balai magique, modèle industriel, ok, ils sont drôles. Jedi Ops, policière optimiste, qui sera la première unco. Garde de cartes, jeu complet, qui sera notre deuxième unco. Li Shang, ici, instructeur d'archerie, qui sera notre troisième unco. Hercule, héros divin, qui sera la première rare de notre booster. En très rare, nous avons Arthur, apprenti de l'enchanteur ici. Il est quand même sacrément cool en termes de design. Et derrière, monsieur dame, une commune foil, c'est là de Jasmine, héritière d'Agrabah. Et bah écoutez, pourquoi pas, hop. Tac, on passe, messieurs dames, du coup, notre deuxième pile. Notre neuvième booster, vous avez le timecode pour vous aider. Moi, à chaque fois, bon, je galère un peu plus. Ici, nous avons, messieurs dames, du coup, notre partie de puzzle. Je suis coincé. Tigrou, ici, unique en son genre. Donald, somnambule. Maître Hibou, conférencier à la logique implacable, ne bougez pas. Hercule, héros à l'entraînement. Pen, diablotin des enfers, qui sera notre première unco. La chenille, chill et vaporeux, bah écoutez, pourquoi pas, qui sera notre deuxième unco. Ultime combat ici, qui sera notre troisième unco. Pierre de dragon, qui sera la première rare de ce booster. Ici nous avons bébé Noi, je ne sais pas comment on dit. Voleuse orpheline ici, ok, qui sera notre deuxième rare. Et derrière nous avons Tiana, serveuse consciencieuse, qui sera notre foil. Pardon, notre commune foil, je vais y arriver, dans notre booster. Ok, hop. C'est une 1-3 pour 1, elle est bien. Ah, pour le coup, elle est vraiment bien, Tiana, ok. Bah, si je peux en avoir plusieurs, moi je dis pas non. Hein. Elle a beau ne pas avoir de capacité, ça reste bien. Hop, tac.
Voilà, ça c'est bon. Hop, on passe à notre prochain booster, messieurs dames, avec ici la partie de puzzle. La bonne fée au cœur pur ici. Comment m'as-tu nommé? Ici, hop. Gaston prétendant fourbe. Coco lapin haute malgré lui. Hatchoum, très allergique. Jafar, grand vizir. Contrat irrévocable qui sonne première, un co. Mini surfeuse élégante ici qui sera notre deuxième. Lorenz ici, valet jaloux qui sera notre troisième et dernière un co. Madame Mime en renard ici qui sera la rare de ce booster. En très rare, nous avons Madame de Trémen, reine impérieuse. Elle est super stylée comme ça. Madame de Trémen, à moi, elle m'a toujours terrifié quand j'étais gosse, mais là, elle a vraiment stylax. Et derrière, nous avons, messieurs, dames, une enchantée. Enchantée Madame Mime en dragon qui, écoutez, sera l'enchantée de notre display. Moi, je m'y attendais pas, mais écoutez, au moins ça, c'est fait. Elle est super stylée, insaisissable, donc seuls les personnages avec insaisissable peuvent dessiner ce personnage, pardon. Je l'ai eu, j'ai gagné. Lorsque vous jouez ce personnage, bannissez le ou renvoyez deux de vos autres personnages en jeu dans votre main, d'accord. Pour 7, c'est une 5-7 qui va chercher 4 de l'or, elle est quand même grâce à la Madame Mime. Et bah écoutez, hop, au moins ça, c'est fait. On passe, messieurs dames, au prochain booster, hop. Voilà, ça c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on aura de beau dans ce booster-ci? On va le savoir tout de suite, messieurs, dames, avec ici une partie de puzzle. Jiminy Cricket, conscience de Pinocchio. Boone, entrepreneur précoce. Virana, chef du croc du dragon. Cruella d'enfer, collection croisière. Dormeur, tombe de fatigue. Le dernier canon, ici. Bucky, professeur de Squeak, qui sera notre premier unco. Isma, manque de sommeil, ici, elle est terrifiante, cette Isma, qui sera notre deuxième unco. Cruella d'enfer, cruellement infecte, qui sera notre troisième unco. Ratigan, le plus beau des rats, qui sera du coup notre rare de ce booster. Kronk ici, Ragondin Junior, qui sera notre deuxième rare. Nous avons Projectile de Fortune, qui sera du coup l'uncofoil de ce booster. Ok, hop. Bon bah au moins c'est fait, messieurs dames, une enchantée. En soi, Disney, enfin Lorcana, j'aurais quand même eu beaucoup de chance, on va pas se mentir. C'est notre troisième enchantée au total qu'on a drop sur cette chaîne, c'est quand même fou. Ici nous avons du coup notre partie de puzzle. Merlin en crabe, il est trop cool. Le monde qui est le mien. Ratigan, génie du crime. Marmite de Gumbo. La reine, monarque absolu. La bête, reclus inhospitalier. Timide, grand sentimental. La reine de cœur ici, utilise les faiblesses qui sera notre première unco. Non, notre deuxième, pardon, ok. Robin des Bois ici, habile combattant, notre troisième. Cobra Bubbles, simple éducateur qui il est trop cool comme ça, Bubbles. Il sera du coup notre première rare de ce booster. Nous avons ensuite en très rare la reine déguisée en mendiante. Elle est terrifiante. Et derrière, nous avons Bubbles qui fait son retour, mais en foil. Bah écoutez, moi je le dis clairement. Pas non, hop, on passe, messieurs dames, au booster suivant, tac, ça c'est bon, hop, voilà, ça c'est bon, hop, alors, qu'est-ce qu'on a de beau ici-bas, messieurs dames, on va le savoir tout de suite avec une partie de puzzle. Zip, âme innocente, mon dieu, il est trop mignon, Zip, comme ça, c'est une 2-2 pour 1, il est bien. Balou, ours épicurien, ici, improvisé, Nock, esprit de l'eau. Réponse solaire, on a que des cartes qu'on n'avait pas vues, c'est cool. Donald, plongeur en eau profonde. Chat de Cheshire, ici, qui sera notre premier unco. 4 douzaines d'œufs. Alors, 14 douzaines d'œufs, ça ferait, là, je pense qu'il nous serait, claqué le Gaston. Blanche-Neige, invité inattendu, ici. En rare, nous avons la tactique de meute. Derrière, nous avons le macabre et la terreur, je vais y arriver, ok, qui sera la rare de ce booster. Et derrière, nous avons, en commune foil, Madame de Trémen, marâtre autoritaire, quand même sacrément. Flippante, on va pas se mentir. Hop, on passe, messieurs dames, au booster suivant. Voilà, ça c'est bon, hop. Tac, ça c'est obtenu, ça c'est récupéré, ça c'est redéplacé, et on est parti, messieurs dames, avec ici, mini. Cusco, lama recherché, ici. Dague de Peter Pan. L'enchantresse, juge inattendu. Duke Weaselton, ici, qui sera escroc à la petite semaine. Ouais, c'est ça, c'était bien ça. Mulan, esprit libre. Tiana, serveuse consciencieuse. La fée bleue récompense les bonnes actions qui seront notre première unco. L'épée dans l'enclume, notre deuxième. Pacha, chef de village, notre troisième. Chute dans le terrier du lapin qui sera la rare de ce booster. En très rare, nous avons Roi Louis, la jungle est à ses pieds. Quand même stylé, hein, le bougre. Et derrière, nous avons la bonne fée qui sera l'unco foil de ce booster. Ok. On passe, messieurs, dames, hop, à notre avant-dernier booster de notre deuxième pile de boosters. Ouais, je sais, ça fait beaucoup. C'est pour meubler, hein, évidemment, que je parle autant, hein, sinon je parle pas comme ça du tout. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, c'est à vous de savoir. Du coup, nous avons ici la partie de puzzle. Maillet de croquet, Dague de Peter Pan, Flynn Rider, Basile, enquêteur perspicace, Grincheux, sale caractère, Perdu dans l'hiver, Rebondir, Pinocchio, livre à lui-même qui sera notre première unco, notre deuxième, pardon, Rebondir était la première, Simplet, toujours enjoué, notre troisième, Chef Bogo, officier respecté, qui sera du coup notre première rare de ce booster, Lucifer, chat sournois, notre deuxième, et derrière, Elsa Sangan, qui sera la foil de ce booster. Et bah écoutez, pourquoi pas, hop. Messieurs, dames, on termine notre deuxième pile de boosters, donc on est au 16e booster, si je ne me trompe pas.
Et il nous restera plus que 8 boosters, déjà ce sera passé assez vite, on va pas se mentir. Hop, tac, voilà. Et c'est parti, messieurs, avec ici une mini en puzzle. Merlin en écureuil, Félicia toujours affamée, la reine de cœur rapidement en colère, Duke Weaselton, escroc à la petite semaine, Joyeux de nature joviale, Fonce, Judy Hopes ici, policière optimiste qui sera notre premier unco, Raya combattant de Kumandra notre deuxième, Jafar serpent cuirassé notre troisième, en très rare nous avons le Big Ben, grand-père horloge, il est super joli moi je trouve comme ça le Big Ben, hop, ici nous avons messieurs dames en légendaire, et bah écoutez Donald, pas encore, insaisissable, j'en ai assez, ce personnage gagne plus 1 de l'or pour chaque jeton dommage sur lui, d'accord. Ouais, en vrai, il est pas mauvais. Ok. Et derrière, nous avons une légendaire en foil. Et bah écoutez, Alice en pleine croissance. Je sais ce que je dois faire. Vos autres personnages gagnent soutien lorsqu'ils sont envoyés à l'aventure. Vous pouvez ajouter leur force à celle d'un autre personnage au choix pour le reste de ce tour. C'est bien en vrai. Ok. Et qu'ai-je fait? Tant que ce personnage a au moins 10 de force, il gagne plus 4 de l'or. Quoi? Vos autres personnages. Ah non, c'est les autres qui obtiennent soutien. D'accord. C'est pas mauvais en soi. Ok, elle démarre à 1, mais en vrai, elle est drôle. Je la trouve drôle, la Alice, comme ça. Écoutez, messieurs, dames, notre dernière pile de booster, elle est entamée, hop. Tac, voilà, ça c'est bon, hop. Et c'est party, messieurs, dames, voilà. Avec ici, hop, la partie de mini. Merlin en crabe, il aime bien à chaque fois démarrer le booster. Balou, ours, épicurien. Ray, luciole décontractée, rien à cacher. Eudora, ici couturière accomplie, le dernier canon. Daisy, agente secrète, ici qui sera notre première unco. Projectile de fortune, notre deuxième. La bonne fée, là pour aider, notre troisième. Tuk-tuk, boule de démolition, qui sera notre première rare. Dingo, chevalier pour un jour, ici qui sera notre deuxième rare. Quoi, pour 9, c'est une 10-10 qui va chercher 4. Très bien. Qu'est-ce que c'est que ça, ok. Et derrière, hypnotisé, qui sera la commune foil de ce booster. Ok. Alors, je connaissais pas le dingo, il me fait très rire. Il est très con, hein. Je vois pas s'il doit y avoir des decks où tu peux le jouer, mais il est extrêmement drôle, je trouve. Hop, c'est parti, messieurs dames, avec ici une autre partie de mini. Cusco, lama recherché ici. Comment m'as-tu nommé? Improvisé. Cruella d'enfer, collection croisière. Porciné, si petit animal. Jafar, grand vizir. De zéro en héros, qui sera notre premier unco. Le plus diabolique, conjuration, qui sera notre deuxième. Choisir son combat, qui sera notre troisième. Ça fait du bien de voir Ralph. Namahari, ici, qui sera notre... En Némésis, qui sera très rare, à chaque fois j'ai du mal ici, ok. En très rare également, Chat du Cheshire, ici sorti de l'ombre, il est super stylé. J'adore le fait qu'il soit en vert comme ça, je sais pas pourquoi. Derrière nous avons Nock, Esprit de l'eau, qui sera la commune foil de ce booster, ok. Donc deux très rares, en vrai, c'est pas mauvais. Ça se trouve, je confonds depuis le début, hein, mais je pense que non, ça a l'air d'être ça. De mémoire, c'est en bronze, c'est juste rare. En argenté, c'est très rare. Et au-dessus, c'est légendaire, je peux me tromper. Si c'est le cas, je m'excuse, messieurs, dames, mais écoutez, la partie de mini ici. Winnie l'ourson, magicien melfique, Mini n'arrête jamais, hypnotisé, Nock, esprit de l'eau, Blanche-Neige perdue dans la forêt, Tiana, serveuse consciencieuse, Sonner la cloche, qui sera notre première unco, Hey, volatile tenace, notre deuxième, Réponse, artiste doué, notre troisième, Prince Jean, le plus cupide de tous, qui sera la rare de ce booster, en légendaire, Madame Mime en dragon, eh ben écoutez, on vous connaît, non? Bon, ça c'est cool, en vrai, du coup on a eu une Madame Mime en deux fois, bon. Ça fait un peu chier, mais en vrai, au moins on l'a encore plus, c'est plutôt bien. Et le prince n'abandonne jamais, il est cool comme ça en foil, qu'on n'a pas encore vu qui sera la unco foil de ce booster. Ok, on passe, messieurs dames, à notre prochain booster. Notre cinquième avant d'avoir terminé, si j'ai bien regardé. Je compte pas, hein, pour pas perdre de temps, mais il me semble que c'est ça, hop. Et c'est parti, messieurs dames, ici avec Mini. Elsa, sans gants. Madame de Tremaine, marêtre autoritaire. Virana, chef du croc du dragon. Jasmine, héritière d'Agraba. Mulan, esprit libre. Benja, gardien de la pierre du dragon. Arbalète du croc du dragon, qui sera le premier unco de ce booster. Garde de cartes, je complète notre deuxième. Armure de souris, notre troisième. Madame Mime, rivière. Rival de Merlin, ici, qui sera du coup la rare de ce booster. En très rare, nous avons la reine, autorité naturelle. Elle est quand même sacrément stylée. Et derrière, nous avons Blanche-Neige, perdue dans la forêt, qui sera du coup la commune foil de ce booster. Ok. 1, 2, 3 et 4. Donc j'avais bien compté. Il n'y a plus que 4 boosters. Hop, et nous aurons terminé notre display de l'ascension des Floodborn. Tac. Si jamais les Floodborn, c'est ceux qui sont nés justement de l'Orcana. Voilà, c'est tout. Mini ici. Zip qui fait son retour. Mulan tout juste sorti de l'entraînement. Arthur devenu Finlam. Basile de Baker Street. Réponse solaire. La bête reclue inhospitalier. Belle, rat de bibliothèque qui sera la première unco de ce booster. Nick Wilde ici, rusé comme un renard, notre deuxième. Pinocchio, marionnette bavarde qui sera notre troisième. En rare, nous avons Prince Charmant, héritier du trône. Ici, nous avons la flûte du dormeur qui sera la deuxième rare. Et derrière, nous avons une troisième rare en foil, cette fois-ci Kronk, Ragondin, Junior. Et bah écoutez,
3 rares d'un coup, en vrai c'est plutôt pas mal, hop. Notre antépénultième, messieurs-dames, notre avant-dernier booster si vous préférez, hop, tac, voilà, ça c'est bon, c'est ouvert, tac, et c'est party, messieurs-dames, avec ici du coup une mini. Docteur Facilier, opportuniste bien renseigné, Fidget, homme de main de Ratigan, Panique, diablotin des enfers, James, parent modèle, La Reine, monarque absolu, Cendrillon, chevalier de l'entraînement, Nana, chienne de la famille Darling, ici qui sera la rare de l'unco, pardon, de ce booster, Tu t'envoles, notre deuxième unco, je crois qu'on l'avait pas encore vu, Ellie Leboeuf, Big Daddy, qui sera notre troisième, Clochette du dîner, ici qui sera la rare de ce booster, Entrée 1, nous avons la bête prête à se sacrifier, ok. Et derrière, nous avons Daisy, agent secrète, qui sera la foil de ce booster. Elle rend bien en foil, par contre, Daisy. Ok, ok, hop. Notre pénultième booster, messieurs, dames, notre avant-dernier, hop. Tac, voilà, ça c'est bon, c'est ouvert, hop. Et c'est party, messieurs, dames. Avec ici, hop, Mini, la bonne fée au cœur pur. Madame de Trémen, marâtre autoritaire. Gaston, prétendant fourbe. Marmite de Gumbo. Dormeur, tombe de fatigue. Fonce. Donald, parfait gentleman, Merlin en chèvre, Gaston, brut et bariton, qui sera notre deuxième unco. Non, notre troisième, putain, je sais plus compter. Winnie l'ourson, pense, qui sera du coup notre troisième, notre première rare de ce booster. Le grand génie du mal, qui sera notre deuxième. Et derrière, nous avons en unco foil, la mère Gothel, mauvaise et desséchée. Ok. Et messieurs, dames, notre dernier booster, j'ai gardé Raya, histoire de me dire, bon, bah écoutez, au moins, je connais pas le perso, j'ai jamais vu, il me semble, ce Disney-là. Donc écoutez, quitte à lui rendre hommage sans le connaître, hein, on va essayer, hop, tac, voilà. Et c'est party, messieurs dames, oups là, voilà, ça c'est bon, avec ici la partie de puzzle. La légende de l'épée dans l'enclume, Raya obstinée, l'enchanteresse juge inattendue, la glace à l'eau, peignons les roses en rouge, Cendrillon chevalier à l'entraînement, boîte de sardines qui sera notre première unco, Mère Gothel mauvaise et desséchée notre deuxième, Le prince n'abandonne jamais notre troisième, Grimoire du sorcier qui sera la rare de ce booster, Yzma fait peur sans faire exprès, elle est super stylée comme ça Yzma qui sera du coup la très rare de ce booster, et derrière, en foil nous avons Mini n'arrête jamais qui terminera le booster. Et ben messieurs dames, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, moi en vrai en tout cas ça m'a plu, donc on a nos communes et nos unco qui sont ici, on a... Tac, toutes nos rares. Hop, ça en vrai, en vrai, elles sont super jolies, les cartes Lorcanin. Hein. C'est ça qui, moi, me rend fou. C'est que vraiment, elles ont un charme. Hein. C'est con, mais je sais que le jeu, il y a certains trucs où je suis pas trop d'accord au niveau de l'édition, etc. Mais surtout au niveau des scalpers, on va pas se mentir. Mais bon, ça, malheureusement, c'est un problème qui existe. Hein. On pourra pas y faire grand-chose. Hop, tac, voilà. Au niveau des légendaires, on a eu ces petits gars-là. On en a eu 4. Bon, écoutez, hop, ça, c'est plutôt pas mal. Au niveau des foils, on a eu un petit beau monde par contre. On a eu une légendaire foil d'ailleurs, si je ne me trompe pas. Hop, elle est où, elle est où, elle est là. La Alice, il me semble qu'on avait eu quelqu'un d'autre, non? Non, c'était Bubbles, je confonds avec Bubbles. C'est possible, hein. Non, on avait eu aussi, hop, la Nama Harry. Ok, hop, ça c'est bon. Et surtout, messieurs, on a eu une enchantée en plus, la Madame Mime en dragon, qui est quand même sacrément stylée aussi, on va pas se mentir. Ok, ok. Sur ce, messieurs dames, j'espère que la vidéo vous a plu. Moi, j'espère vous retrouver évidemment pour d'autres vidéos sur du Lorcana. Je vous souhaite également de très bonnes fêtes. Normalement, ça sort le 24 ou le 25, cette vidéo, si je ne me trompe pas. Donc, j'essaie de faire attention. Également, messieurs dames, j'espère que l'année s'est bien passée pour vous, hein, que tout se passera bien. Nous, qu'on refera du Lorcana, je l'espère beaucoup. Sur ce, messieurs dames, j'espère vous retrouver pour d'autres vidéos. Mais si ça vous intéresse, je ne fais pas que ça également sur la chaîne. Je fais également du Digimon, du Dragon Ball Super, du Final Fantasy, du Magic the Gathering, du One Piece, du Pokémon, du Yu-Gi-Oh, du Yu-Gi-Oh, Rush Duel, ainsi que du Mancul. C'était Siwed, messieurs dames. A plus tout le monde.